Bonjour et bienvenue à ce survol du site Canva. Donc l'adresse, vous la voyez en bas, là, c'est www.canva.com. J'ai été contacté par ces gens-là qui m'ont dit, voilà, on a vu votre blog, votre site, et on pense que ça serait intéressant de parler de Canva à vos lecteurs. Donc je me suis dit, allez, je vais regarder. Ça fait un petit moment qu'ils m'ont demandé ça, mais j'étais pas mal en déplacement. Donc là, je vous propose de regarder un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, voyez ça comme un site internet qui va vous permettre de faire des petites illustrations, des pages, des couvertures. Faut voir ça un peu comme un PowerPoint ou un Google Slide. Voilà, à part que c'est en ligne et qu'il y a plein de choses qui sont prédéfinies et que vous allez pouvoir partager ça assez rapidement. Alors, comment ça marche? On va créer un design. Et là, lorsque vous créez un design, donc il vous propose des choses, des posts de réseaux sociaux, des documents, des trucs pour des blogs ou pour des e-books, des supports marketing comme un flyer par exemple, bon, un certain nombre de choses. Prenons par exemple une image carrée pour les réseaux sociaux, d'accord? Donc il ouvre un éditeur avec une image carrée et il vous propose déjà d'utiliser des canevas. Donc on va faire le feignant dans un premier temps, je vais vous montrer comment ça marche avec les canevas. Donc je vais prendre ce canevas-là, et puis là, vous trouvez avec des éléments dans l'image. Vous avez la photo, par exemple, du fond. Donc la photo du fond, vous pouvez rajouter des filtres, si vous voulez, sur la photo. Donc il y a un certain nombre de filtres pour changer cette photo-là. Je sais pas, je vais prendre ça, voilà. C'est pas beau, ça. Allez, je vais prendre autre chose, je vais prendre la selfie. Allez, on va prendre ce filtre-là. On peut éventuellement rogner la photo. Vous voyez, là, il y a un peu de mou à droite et à gauche sur la photo. D'accord? On peut la tourner si on veut la tourner. On peut éventuellement régler l'espacement. Donc, vous voyez, on met la photo, elle sera plus à l'intérieur ou plus à l'extérieur. Donc, voilà, on peut faire ce genre de choses. Ensuite, le texte qui est là, je vais, par exemple, changer la taille de police. Je vais mettre 200. Voilà, ensuite j'ai changé le texte lui-même, donc c'est comme un éditeur de texte, hein, un sourier, voilà, avec un point d'exclamation. Je vais, sans le blanc, hop, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite ce texte-là, je vais, vous voyez, on peut tourner ici, on peut pivoter si on veut. En se mettant ici sur le bord, on peut le changer, on peut le bouger. Donc vous voyez, c'est un éditeur comme vous auriez dans n'importe quel éditeur. Puis là, il y a du texte, on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors, je sais pas, je vais faire oui, photo, test, Canva. Voilà. Et là, en dessous, on va rajouter quelque chose. Il y a deux lignes. Alors, voilà. On va effacer ce texte-là et on va mettre, si vous voyez, si... Vous voyez cette image, c'est que je teste le site www.canva.com. Bientôt la vidéo. Voilà, alors, j'ai fait un truc super rapidement. Et ça, on va dire que je veux le partager sur les réseaux sociaux. Donc ici, vous avez des choses partagées. D'accord? Donc on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux. On va pouvoir donner des liens. Donc là, on va pouvoir donner un lien qui va permettre à une personne de modifier ça. Donc on va pouvoir faire du travail collaboratif. On peut aussi créer un petit site web, mais ça, on verra après. Et on peut l'intégrer. Alors là, je ne peux pas parce qu'il faut que je le mette en public. Mais si vous le mettez en public, on peut l'intégrer ici. Soit dans une page HTML, soit dans une page WordPress, on verra ça éventuellement après. Donc, vous voyez, l'éditeur, c'est assez simple, j'ai des éléments, et ces éléments, je peux les modifier. Alors, dans les éléments, on a d'autres éléments, on peut rajouter des choses à la main, on fera un nouveau design plus manuel après, mais là, j'ai déjà quelque chose, voilà, en 2 minutes, j'ai fait un petit truc, et là, je vais faire partager, je vais partager sur les réseaux sociaux, je vais partager, voilà... Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le site Canva. Et puis, on va cliquer sur
connecté à Facebook, d'accord? Donc je vais faire comme ça. Alors, oh, une dernière chose, c'était vos permissions afin de publier en votre nom, donc se connecter au compte. Donc là, j'ai une fenêtre qui me dit Canva recevra. Est-ce que vous voulez bien que Canva publie sur Facebook? Bah oui, autrement, ça va ne servir à rien. Canva voudrait publier publiquement sur Facebook pour vous, qui peut voir les publications de Canva sur votre journal. Alors là, on peut choisir moi uniquement. Alors je vais mettre moi uniquement parce que je ne veux pas pour l'instant que les autres le voient. Je fais OK. Voilà, donc là j'ai publié uniquement pour moi. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le site Canva et je fais partager et on verra ensuite. Partage de votre design, veuillez patienter. On verra ensuite ce qui se passe lorsqu'on sera sur Facebook. J'irai voir un peu le résultat pour vous le montrer. En attendant, on va faire un autre truc. On va être un peu plus manuel. Voilà, votre design a bien été partagé. Très bien. Alors, affiché sur Facebook, on va le faire. Voilà. Et là, j'ai bien un truc ici, ma petite illustration. Je suis en train de vous préparer une vidéo sur le site Canva. Petit problème d'accent, mais dans l'idée, je viens de partager ça très rapidement. Sur Facebook et a priori il n'y a que moi qui le vois, on verra si des gens réagissent à ce truc-là. Donc retournons maintenant sur le site Canva. Donc maintenant on va préparer quelque chose plus pour de l'impression. Donc je vais faire créer un design ici et imaginons que je veux faire un flyer. Donc pareil, il me prépare mon truc. Par contre, ce que je vais faire, je ne vais pas utiliser un Canva tout fait. Vous voyez, il y en a toute une série. Je vais le faire un peu moi-même. Donc je vais utiliser des éléments. Donc des éléments, on a des cadres, des grilles, des lignes, on a même des graphes. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Là, je vais prendre une grille. Donc une grille, c'est simplement une disposition. Imaginons que j'utilise... quelle disposition je vais prendre? Je vais prendre cette disposition. Allez, je la mets là. Voilà, donc j'ai une disposition. Cette disposition, je peux choisir l'espacement. Vous voyez, plus ou moins espacé. Ça, on l'a déjà vu avant. Et je vais rechercher des trucs liés à la photo. Voilà. Donc là, je vois apparaître un certain nombre de choses. Je peux décider de voir uniquement les illustrations, où il y a le mot-clé photo, mais je peux aussi aller voir des photos. Alors vous voyez qu'il y a des photos ici qui sont payantes. Donc c'est comme ça que le site se paye en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont payantes, qui ne sont pas gratuites. Et puis il y en a d'autres, bah, elles sont gratuites. Donc là, on va utiliser des gratuites pour faire un petit truc pour un club photo, imaginons. Je vais prendre celle-là, ici, quelque chose comme ça. Je vais, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre ici celle-là. Et je vais encore aller en chercher une qui serait, tiens, une petite dame qui prend une photo, là, comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, la petite dame, je veux que la tête soit un peu plus centrée. Donc là, vous allez sur rogner. Vous voyez, vous pouvez bouger ici, simplement. Voilà, j'ai bougé un peu la petite dame. Ça, ici, c'est pareil. Si vous faites rogner, vous voyez apparaître la taille de la photo. Et vous pouvez, comme ça, bouger un peu comme vous voulez. Ou même, des fois, réduire si la photo est trop grande. Alors, est-ce que vous pouvez mettre vos photos? Oui. Ici, vous pouvez télécharger une photo en cliquant là-dessus et votre photo, vous pourrez la mettre à l'intérieur de la présentation. Donc ça vous permet de faire vos photos à vous. On va rajouter un petit texte. Qu'est-ce que je vais prendre comme texte? Vous voyez, il y en a toute une série. Donc allez, on va prendre celle-là, la graphic design hop, for beginners. Donc je la mets ici, elle est là. Donc là, c'est en noir, ça ne me plaît pas, je vais le mettre en blanc. Voilà, j'ai mis en blanc mon truc. Et ensuite, je n'ai plus qu'à changer le texte comme j'avais fait avant. Donc, vous cliquez ou double-cliquez sur les différents textes que vous voulez changer. Et vous pouvez les changer. Donc là, on peut faire Photo Club à la place. Voilà, j'ai changé un texte. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Et on peut changer les tailles, on peut le tourner si on veut, bref. Donc là, c'est quelque chose que je veux plutôt imprimer. Donc là, je vais faire télécharger. Et il va simplement me rapatrier mon fichier. Alors, je choisis un peu ce que je veux. JPG, PNG, PDF, PDF impression. Allez, je vais faire PDF impression. Rognage et fonds perdus, ça c'est si vous envoyez le truc à un imprimeur, c'est les bords là comme ça que les imprimeurs aiment bien. Mais là, je vais juste faire télécharger pour avoir mon PDF.
Et il prépare tranquillement mon design. Chaque fois qu'il vous fait attendre, il vous met une petite citation. Et à la fin, je vais récupérer mon fichier. Donc voilà, il a, vous voyez, démarré mon téléchargement ici. Et je peux éventuellement, votre téléchargement démarre automatiquement. Dans le cas contraire, lancez-le ici. Et puis je peux ensuite partager également sur Twitter, Facebook. De temps en temps, il affiche d'autres choses parce que lui, il a son propre service d'impression. C'est là-dessus qu'il se paye aussi, c'est que vous pouvez commander des impressions. Donc là, vous pouvez commander des impressions en recto, papier standard, finition mat, 25 exemplaires, plus le frais de port, d'accord? Donc là, vous avez toute une série de choses où vous pouvez commander vous-même vos impressions si ça vous amuse. Faut bien qu'ils se payent quelque part, donc ils ont des services supplémentaires, mais là, je ne veux pas commander mes impressions. Et donc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu mon fichier là, donc je vais cliquer dessus. Et donc là, il m'ouvre mon truc en PDF. Alors les couleurs, c'est à mon avis la visualisation PDF de Chrome qui est pas bonne là-dessus. Mais donc j'ai mon fichier et je peux maintenant en faire un peu ce que je veux puisque j'ai mon PDF. Donc là, on va regarder maintenant les aspects un peu plus Internet. D'accord? Donc je vais faire un nouveau design. Le type de design n'a pas tellement d'intérêt. Allez, on va faire fond d'écran pour ordinateur. Donc c'est une image HD. Je vais ici chercher voiture. On va voir. Hop là, voiture, il n'y a pas. Donc, voiture. Très bien. Je vais aller dans les photos. J'ai des choses gratuites là. Donc, je vais prendre celle-là. Elle me plaît pas mal. On va la mettre comme ça. Je vais ensuite prendre celle-là que j'aime bien aussi. D'accord. Donc, celle-là, on va la mettre là. On va la redimensionner, mais en fait on va la rogner parce que j'aimerais qu'elle soit alors ce que je voulais faire c'était ça et je voulais la rogner de là à là et que là ça bouge comme ça, voilà. Et puis ensuite je vais en mettre une dernière. Alors, en gratuit, qu'est-ce que j'ai? Tiens, il y en a une vieille là qui est assez marrante. Je vais prendre celle-là. Voilà. Celle-là, je vais l'agrandir pour qu'elle prenne toute la taille. Alors, vous voyez elle est devant. On peut faire des choses. C'est-à-dire qu'on a ici la notion d'organiser. Vous voyez, en arrière. Donc là, je l'ai passé derrière l'autre. Ça pose pas de souci pour faire ce genre de choses. Et là, je vais dire que si on clique sur l'image du milieu, ça ira sur http://www.wiwiphoto.fr. Appliquer. OK? Donc voilà, je fais un petit design tout simple. Maintenant, je vais le partager. Et là, au niveau des liens, on a. Alors, je vous avais dit, il y a le lien pour que les gens puissent regarder, mais ils arriveront directement dans Canva. Et on peut aussi faire un petit site interactif. Alors, c'est en version bêta actuellement, mais je vous le montre quand même. Donc, je vais cliquer dessus. Et donc là, je me retrouve sur une espèce de site. D'accord? Donc, j'ai qu'une seule page. Et éventuellement, on peut faire des diaporamas comme ça et faire différents trucs. Et si je clique là-dessus, je peux aller sur Wii Photo. Vous voyez que si je clique, j'irai sur Wii Photo. Donc ça, c'est super facile à faire. Alors on va regarder comment on peut l'intégrer ensuite dans un site web. Donc pour l'intégrer dans un site web, ici on a intégré. Donc il vous dit attention, le design doit être public pour pouvoir l'intégrer. Oui, ça paraît logique. Donc je vais passer ici en public. Et là, je retourne en partager et je vais dans intégrer. Alors vous pouvez soit directement mettre ça dans un site WordPress, mais là je vais plutôt travailler avec l'HTML. Donc on copie simplement toute cette partie-là. Et ensuite, je vais créer une page HTML et je vais mettre ça dedans et je vais vous montrer. Et donc, vous voyez, là, j'ai fait une page sur le blog où j'ai intégré le code HTML, puis je me retrouve avec mon image. Alors là, il y a un sur un, parce que si j'avais deux ou trois ou quatre pages, ben, je pourrais simplement basculer l'une vers l'autre. Donc, on peut même voir ça comme la possibilité de montrer facilement des photos, puisque avec ce truc-là, on peut faire un diaporama. Donc, conclusion. Donc ça permet de faire beaucoup de choses très rapidement. Vous voyez que c'est quand même très intuitif. Maintenant, ensuite, ne rêvez pas, vous n'allez pas récupérer un fichier PowerPoint pour ensuite mettre ça sur votre ordinateur. Donc on est dans une optique cloud.
Leur objectif, c'est de vivre aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui sont payantes. Mais c'est pas étonnant, hein. Moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses gratuites. Vous voyez, là, en gratuit, j'ai fait très rapidement beaucoup de choses. Donc, à tester, à voir ensuite si vous voulez baser vos designs de com sur ce genre de site. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça assez sympathique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Merci, au revoir.